allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus qui serait un retour de course pour ou contre le coronavirus. Non, je rigole. Sincèrement, j'ai fait des courses comme d'habitude. Vous allez voir, j'ai acheté des pâtes, mais parce que j'en ai plus dans mes tiroirs. Il n'y a rien d'exceptionnel, sincèrement, vous allez voir. Donc, je vais commencer par Leclerc et ensuite Grand Frais. J'ai été également à Grand Frais. En tout, j'en ai eu pour 60 euros à Leclerc et 80 euros chez Grand Frais. Donc voilà. On va commencer. Tout d'abord, il me fallait de la lessive. Du coup, j'ai pris celle-ci en capsule Douceur d'Orient de la marque Repair. Ça nettoie très très bien. Et j'ai pris un bidon d'eau de Javel pour mes toilettes parce que voilà, j'avais besoin d'eau de Javel pour mes toilettes. Comme d'hab. Ensuite, niveau frais, j'ai pris des yaourts. J'ai repris ceux-là, ce sont les Daily Light 0%. C'est des yaourts aux fruits aromatisés, abricots, ananas, cerises, citron, fraises et pêches. Nous, on aime beaucoup ceux-là. J'ai repris également des fromages blancs, toujours de la marque Repair. Et j'ai repris mes favoris, c'est les Duo Délices. Vous savez, c'est du fromage blanc et au-dessus, il y a comme un peu de chantilly. Et ils sont super bons. Et sincèrement, niveau matière grasse, c'est 132 kcal par yaourt. Donc ça. Niveau fromage, j'ai repris comme d'hab des Saint-Mauré. J'ai repris des petits crottins de chèvre pour faire une salade de chèvre chaud. Il y avait une promo de Caprice des Dieux. Donc j'ai pris deux Caprice des Dieux. Nous, on adore ce fromage-là. J'ai repris également deux parmesan. J'ai repris 1 kg de taboulé à l'oriental et moi je rajoute toujours des raisins à l'intérieur parce que souvent j'emmène un petit peu de ça la nuit pour le boulot, ça me suffit bien. J'ai repris 2 beurres. J'ai repris également 4 tranches de jambon et de la viande de grison pour faire des pour faire une recette. D'ailleurs, soit elle est sortie, soit elle va sortir. Mais vous avez une vidéo recette qui va très très bientôt arriver et dedans je vous montre cette recette. Ensuite, j'ai repris du café. J'en ai pris beaucoup, mais si vous me suivez, vous savez que j'en achète énormément par mois. J'ai repris 2 paquets comme ça de Delica. Donc vous savez, c'est pour la Nespresso originale. J'ai repris 2 paquets de Équilibré et 2 paquets de Subtil. Ensuite, j'ai repris pour Matt 2 paquets de muffins blancs, vous savez, pour faire les eggs muffins. Nous, on adore ça, c'est trop bon. Si vous ne savez pas comment faut faire, je vous ai fait une vidéo où je vous montre la recette à l'intérieur. Je vous la mettrai dans le petit i, si j'y pense. J'ai repris également 2 paquets de pain de mie sans croûte. Je me suis trouvé une adoration pour ce pain de mie. Ensuite, j'ai repris du riz et des pâtes. Il faut savoir quand même que quand j'étais à Mont-Leclerc, il y a des gens qui se sont tapés dessus parce que la queue à la caisse était trop longue. Ils ont dû appeler la sécurité, quoi. Enfin, moi, je trouve ça complètement ouf. Enfin, s'il y a la guerre, je vous dis, on va tous mourir. Hein. Enfin, bref. Donc, j'ai repris ceci du riz basmati parce que nous, on adore ça et il est excellent. J'ai repris un paquet de farine parce que j'ai des choses à faire que vous verrez très rapidement. Ensuite, j'ai repris du riz Uncle Ben's, pareil, hein, parce que voilà, il faut du riz. Et j'ai repris des pâtes, j'ai repris un paquet de coquillettes, moi ce sont mes préférées, et j'ai pris des torchettes. Donc voilà pour Leclerc, j'ai repris un pack de 6 lait et 3 packs d'eau, donc voilà. Ensuite, je vais ranger ça, et puis... Donc nous voilà avec Grand Frais. Donc chez Marie Delchère, j'ai pris un fondant au chocolat pour avec le fromage blanc. Et j'ai pris une boule de pain de campagne. Ensuite, j'ai pris des épinards en frais. J'ai pris une laitue rouge. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les prix de Grand Frais. Ensuite, j'ai pris 2, 4, 6, 8 kiwis. Les 8, je crois que c'était 3 euros, un truc comme ça. J'ai repris également des bananes. Parce que les bananes ici, c'est la vie, sauf si ça tombe.
J'ai repris pas mal de petites tomates cerises parce que nous on aime beaucoup ça. Et j'ai remarqué que quand j'avais faim, des fois je picorais là-dedans. J'ai repris des courgettes. Ah. Il y avait un lot comme ça de poivrons, ça valait vraiment le coup. Et dedans vous en avez 5. Et je pense que je vais m'amuser à tout couper et à tout congeler en fait. J'ai repris du lait de coco comme ceci. C'est pas le même que la semaine dernière, mais c'est pareil quoi. C'était le même prix, je crois que c'était 99 centimes la boîte. J'ai repris, on n'en avait pas besoin, mais j'ai repris du flocon d'avoine parce qu'il était en promo. C'était 3,50 les deux paquets, donc je trouvais que sincèrement, ça valait le coup. Donc là, j'ai repris des pâtes. Mais il y avait une promo, c'était 1,50€ les deux paquets et j'avais plus de spaghettis, donc voilà. De toute façon, sincèrement, je vais arrêter, enfin, je vais pas vous dire que j'ai pas pris ça pour le coronavirus, que je suis sûre qu'il y en a qui vont. Et pareil, 1,50€, j'ai repris des tagliatelles. Donc voilà. Et là-dedans, c'est du frais. J'ai repris des fraises, ça m'a donné trop envie. Elles proviennent d'où ? Espagne. Donc voilà, je vais manger ça tout à l'heure. J'ai repris des filets de poulet. En tout, il y a combien de kilos là-dedans? Il y a 1,695 kg. Donc voilà. Ça, pour avec une petite salade, j'ai repris des chaussons au thon. Ça me donnait trop envie. J'ai repris également des carrés de filets sans os de porc. J'ai repris du saumon pour faire une tarte poire au saumon. J'ai pris également des filets de limande. Nous, on aime beaucoup ça. J'ai pris une pâte feuilletée. J'ai pris d'amache. Moi, j'adore ça. Mathias n'aime pas trop ça, mais moi, ça, j'adore. J'ai repris de l'emmental. Il y a combien là-dedans? 1 kg, non? 500 g d'emmental. Je ne sais plus où poser tout ça. Et pour finir, j'ai pris il y a 300 grammes en tout de champignons comme ça. Et sincèrement, c'est hyper pratique. La semaine dernière, j'en ai acheté et c'était super bon. Avec le filet mignon, c'était excellent. Donc voilà pour les courses. Donc comme habituellement, hein, je fais souvent maintenant mes courses à grands frais. Parce que moi, tout ce qui est fruits et légumes, ça me donne vraiment faim là-bas. Et en plus, on peut payer en ticket resto, et comme nous on en a pas mal, et ben je paye en ticket resto, c'est ce qui ne sort pas en tout cas de notre compte en banque, et je vais à Leclerc pour le reste. Là, comme la lessive, tout ça, c'est rare que j'en achète, parce que d'habitude j'en achète quand c'est en promo, mais en ce moment il n'y en a pas en gros en promo, donc voilà, j'ai juste acheté ça, mais ça suffira. Je pense pas que vous aurez d'autres tours de course dans le mois, mais bien entendu, fin mars, début avril, comme d'habitude, vous en aurez un très gros, comme d'hab. C'est vrai que ce mois-là, avec le retour de Londres, avec tout ce bordel et tout, j'ai pas fait comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va survivre. Voilà. Bref, moi je vous fais plein de bisous. N'allez pas acheter 50 kg de pâtes, 50 kg de riz, ça sert à rien. Les magasins sont réapprisionnés. Enfin bref, ils ont le stock qu'il faut tous les jours. Donc pas de panique, ne vous gueulez pas dessus, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien de paniquer, oui c'est grave. Maintenant il faut suivre les règles. Sincèrement, on a demandé aux personnes de plus de 70 ans d'éviter de sortir, sauf en cas de course ou quoi. Les trois quarts de personnes à Leclerc, ils avaient plus de 70 ans. Enfin, je sais pas, je suis sûre que demain j'y retourne, je vais, enfin, il y aura encore des gens comme, enfin bref. Moi il y a des choses qui me rendent ouf, mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Bref, je vous fais des bisous, bon appétit si vous mangez et je vous dis à très très bientôt.